Kolona Belemana Yahweh. Yahweh. Chante plus fort. Gaïna Belema. Yahweh. Yahweh. Bele manayo, bele manayo. Bete la Yesu maboko makasi. Pesa elokumu parce que azobatela, parce que azobomba. Pesa elokumu sambela. Tombola sambe parce que sambe bikamwa. Aza sambe bolingo. Tombola Yesu. Élève Jésus. Tombola Yesu. Élève Jésus. Tombola mungongo na yo sambela. Adore Jésus, adore Jésus. Adore le roi des rois, adore le roi des rois. Matisa mungongo sambela. Matisa mongongo sambela. Élève ta voix. Matisa mongongo sambela. Adore le roi des rois. Adore le roi des rois. Mon père si na pema c'est Jésus. Mon père si na makasi c'est Jésus. Mon père si na mayele c'est Jésus. Mon ko akokani na ya zate. Mon susu lokola ye azate. Abotamite. Atikali kobotamate. Tombola le roi des rois. Tombola Jésus sambela sambela. Tombola Jésus sambela. Mashadaba daba daba. Mashabro sekere bobo bobo. Me kalabada bada bada bada, ma shara bada bada bada, me kalabada bada bada shekere, endoro boro boro boro, ikalabada bro sheke, erabada bada bada zusa, mandoro boro 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 shekere yaba, me kalabada bada, erabo shaka yaba, mandoro boro boro, me kalababa bada, warabo saya bade, rababa bada bada shuse, rababa bada bada zusa. In Jesus' name. Na kombo na Yesu. Papa topambolio. Père, nous te bénissons. Topambolio pour na makasi. Pour la force. Topambolio pour na mayele. Pour l'intelligence. Topambolio pour na santé. Pour la bonne santé. Moko lokola yo azate. Nul n'est comme toi. Moko akokani na yo azate. Personne ne peut se comparer. Babengami bansambe bakufi. Ils se sont appelés Dieu. Ils ont passé quoi pété. Ils n'ont pas pu se relever. Quoi ils n'ont pas pu rester. Mais yo benga makinsambe. Mais toi tu étais appelé dans Dieu. Dans trois jours. Ma belle Ningani. Ma belle Fongwami. Osekwe. Tu as été ressuscité. Osa ensemble na biso. Tu es avec yango nous. Yango toko matondo. Mon conseiller Soumassia, Seigneur Jésus, et ça n'a ma casse n'a bisoté, ni par notre force, et ça n'a ma yele n'angaïté, ni par mon intelligence, et ça n'a bolingo n'angaïté, ni par mon amour, et ça n'a volonté na yo, mais par ta volonté. Mon conseiller Sou, Seigneur Jésus, l'obé la biso, parle nous, kango la ba vie abato. Bikisa ba vie abato, libérer ba santé abato, libérer ba misala abato, libérer ma bala abato, libérer ba santé abato, libérer ba vie abato. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Papa, Père, na telem na se amanda oyo. Je me tiens sur ce mandat. Na déclaré. Je déclare. Banguyani osoto. Tout est fort. Oyo eyaka, kocha lourde, na katakilichi. Okay. To paralyser ango. Nous les to paralyser ango.
paralysé ango to paralysé ango to tomboli yesu nous élevons Jésus asamo konsi il est le asamo konsi 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 to tomboli yesu likolo ya sida wana na tomboli yesu likolo nyoso parce que asamo konsi na kombo na yesu Nandimi sami ke osana biso au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Acclame fortement le Seigneur. Beta maboko pona lokumu a Yesu. Maboko na Yesu kamusanga betela Yesu maboko makasi. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Betela Yesu maboko makasi. In Jesus name. In Jesus' name. Est-ce que vous avez avancé à gauche, à droite, au lobby Yesu Aza Ao? Ce qui a l'obité à droite, na yo yebise lisusu Yesu Aza Ao. Yesu Aza Ao. Yoka bisika Yesu Azali eyebanaka. Na yo kamenite. Bisika Yesu Azali eyebanaka. Na yo ki amenite. Kaka nengo tato lepande kono Yesu Azali, na deklare okobima boyeke. Betela Yesu maboko makasi. In Jesus name. Yambona kota na pesi nzambe matondo pona pema ofela pesinga. Je dis merci à Dieu pour le souffle gratuit qu'il m'a donné. Pour moi comme on a mercredi eza grâce. Koza na mercredi les angolou. Mingi bakufi, plusieurs sont morts. Mingi bazana bopito. Plusieurs sont dans les hôpitaux. Mingi ba sali ba accident. Dont on connaît les accidents. Mingi ba kufi na ba accident. Dont on connaît les accidents. Na ba crash. Dans des crashs. Mais ensemble à salinga grâce. Mais Dieu m'a accordé la Yako grâce. Yako mona tongo alelo na sana bomoi. De voir ce matin, je suis en vie. Na koki ko bossa na te. Je n'oublierai pas. Na koki ko sala ingrat te. Je ne peux être ingrat. Na koki ko bossa na te. Je ne peux pas oublier. Na bolamu oyo. Cette papa na mama ba salinga. Cette grâce que Yako pe sanga chair. Les parents m'ont donné de monter à la chair. Ne konangai frère Nathan lobi. Le frère Nathan bon qu'il alobi chair yabagra eza chair. Le frère Nathan moi pour dire la chair des grands est très chère. Ezabi sikango sakanate. Ce n'est pas un lieu pour blaguer. Nakata chair okokiko pambolama. Sur chair tu peux être béni. Nakata chair okokiko zala maudit. Tu peux être maudit aussi. Mais na sepeli je suis heureux. Na privilège kitoko. Pour ces privilèges. Papa atikelingai que papa m'a donné. Ne fiche que moi 2 minutes. Pour ce temps, bon a introduit. Pour introduire. Papa. Maman. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, après Sabino 120 ans. Que Dieu vous donne encore 120 ans. Bon, mais encore. Betela Yesu maboko makasi. Osepelite. Osepelite. In Jesus name. In Jesus name. Na pesi yo isusu matondo. Je te remercie toi aussi. Parce que ozawana. Parce que vous êtes là. Soki ozawana te. Si vous n'êtes pas là. Fime lingaki obenga ma fimite. Film ne serait pas so qui filme ben ami film si filme a belle film parce que yo zawana parce que vous êtes là aussi soko sepelo beti maboko pona yo moko s'implique de ba lecteur ba tangeli biso na acte des apôtres chapitre 3 verset 1 à 6 acte des apôtres chapitre 3 2 à 6 acte des apôtres chapitre 3 à partir du verset 1er version Louis II. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » 5. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Nous acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. In Jesus' name. Amen. Na yekote ate.
Je ne suis pas venu pour prêcher. Naïe côté athé. Je ne suis pas là, le prédicateur. Naïe odi kaka papa. Je suis venu pour introduire l'homme de Dieu. Naïe bike, tangosho matawa. Quand papa va monter ici. Via mutu ekotika la bongote. Ta vie ne restera pas la même. Amen. Santé na ekotika la bongote. Ni ta santé. Destinée na ekotika la bongote. Ta destinée ne restera pas la même. Obala 14 obala. Tu ne te maries pas. Au sala 14 sala. Tu manques le bourreau. Obota katoko bota. Tu n'as pas d'enfant. Bonga na ndimi. Parce que je crois. Zambe. Dieu. Na saison moko. En une saison. Atilisa kamutu. Il fait son. Bonne situation à mutu. Pour la solution de pour que témoignage ya. Pour qu'il ait le témoignage. Ah, na lobi zambe. Dieu utilise kamutu. Utilise un na saison moko. Dans une saison. Na année moko. En une année. Na jour moko. En un jour. Pour tes témoignages ya. Pour le témoignage d'une autre. Na yabi problème na yoye nangote. Je ne connais pas ton problème. Na yabi situation ya nangote. Ni ta situation. Na yabi eloko tsotungisa yote. Je ne connais pas ce qui te. Mais laisse-moi te le dire. Na yabi sayo. Laisse-moi te le dire. Tika na yabi sayo. Le neuf. Le neuf. Atelama kikaka au. Papa était ici demain. Na lobi le neuf. Le neuf. Ya sixième mois. Juin. Atelema kikaka awa. Il était sur la chair. Atelema kikaka awa. Yes. Abimisa ki mungongo. Il a déclaré. Abimisi maloba. Il a parlé. Maloba ne salami. Et ses paroles sont accomplies. Le même mutu. La même personne. Loba ki maloba. Qui avait déclaré. Yende azotelema lelo. Et c'est lui qui va se mettre devant. Yende introduit. Oh. Je viens d'introduire. Même si les médecins. Balobi ke osana sida. Il t'ont dit que tu as le sida. Esa minganga. Même si les médecins. Balobi ke osali na estomac. Il t'ont dit que tu as la gastrite. Esa minganga. Les médecins. Balobi ke osana kiste. Il t'ont dit que tu as la minganga. Même si les médecins. Balobi ke pina yo suki. Il t'ont dit c'est fini. Mingana yebi. Moi je sais. Zambe na biso Yesu. Notre Dieu Jésus. Zambe na biso Yesu. Notre Seigneur Jésus. Zambe na biso Yesu. Notre Seigneur Jésus. Oya asana kati ya mutu. Qui est dans un homme. Aujourd'hui. Esa la balobi impossible. Même si on a dit impossible. Je sais par un homme. Ta vie va changer. Ta destinée va changer. Ta vie va changer. Mais à condition. Condition crois. Jésus. Il croit. Et sa cinéma. Biba lobiboy. La parole de Dieu nous dit. Ezalaki na mwana ezalaki na ndeko moko mobali. Il y avait un monsieur. Ezalaki mokakata. Il ne marchait pas. Mosala na ye. Son travail, ba même akaye, on l'amène. Bon akoya ko senga mbongo. Pour demander le monde. Azalaki mandia. Azalaki mo senga mbongo. Azalaki mandia. Asenga kambo. Azoya ko senga mbongo wapi? Il demandait l'argent où? Na kati ya temple. Au devant du temple. Oye ba bengi la belle. Temple la belle. Oye ba bengi la belle. La belle. Mikolonyo soto. Tous les jours. Ayaka wana. Il vient là-bas. Mikolonyo soto. Tous les jours. Ayaka wana. Il mange là. Azoya kape. Il prend quelque chose. Ayaka kape. Il mange avec Finaye, sa vie. C'était mendier. Mais laisse-moi te le dire. Mais laisse-moi te le dire. Nakata temple. Dans les temples. Bisika baya kako tikaye. Là où on venait pour le laisser. Il y avait la solution. Il y avait miracle et sali. Il y avait ses miracles. Il y a solution et sali. Il y avait sa solution. Bibalobi. La parole de Dieu dit. Même akaye. N'importe oyo. On l'amène à la porte. Babengi la belle. La belle. Oh la porte. Oh babengi la belle. Écoutez wana. Ezali Yesu Masia. C'est Jésus-Christ. Na lobia ezali Yesu Masia. C'est Jésus-Christ. Na lobia ezali Yesu Masia. C'est Jésus-Christ. Mais loko la comprenda kite. Il n'avait pas compris. Yemovie na yatika la kibongo. Sa vie restait oh Yesu Masia. C'est la parole de Dieu. Yesu ezali loba. C'est la parole de Dieu. Ezali loba. Biba lobi na ngai. La parole de Dieu me dit. Jean 1. Jean chapitre 1. Verset 1. Verset 1. Alors bien au commencement. Nebaneli était la parole. Et la parole. Beliloba. Était avec Dieu. Et la parole. Beliloba. Et Dieu. Et Zala Kinza. Il y a ceux qui loba. Et pour qui consomme ma kuluna. Si ça peut changer de kuluna. Consomme malade estomac. Des maladies. Bikisi. Et guéri. Et bango yo lobinini. Qu'est-ce que tu dis pour toi-même? La situation yo lobinini. Quel dis-tu de toi-même? Le problème na yo yo lobinini. Quel dis-tu de toi-même? Na libala no lobinini. Quel dis-tu de toi-même? Na musala na yo lobinini. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Moi, mon bali wana. Cet homme. Limite na ezala ki kosenga. Lelo. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. Dosana kiltia. École de guérison. Nous sommes à l'école de guérison. Ezala ki école de guérison. Dosana kiltia école de guérison. Nous sommes au cul de guérison. Na yabi problème na yote. Je ne connais pas ton problème. Oh yo yenango. Que tu es venu avec. Na yabi situation na yote. Ni ta situation. Oh yo yabi oyenango. Tata papa sa yo combo. Peut-on t'en donner un nom? On est la milangi. Tu as pris papa sa yo combo.
On t'a donné le nom. Tu vas mourir demain. On t'a donné le nom. On combat la terre. Tu vas pas te marier. On t'a donné le nom. On combat ta terre. Tu n'auras pas de nom. Papa Sayo Combo. On t'a donné le nom. On réussit terre. Tu vas pas réussir. Papa Sayo Combo. On t'a donné le nom. On qui tombe ma terre. Tu peux pas monter. Papa Sayo Combo. On t'a donné le nom. Maman quartier. Maman quartier. Mais laisse-moi te le dire. Comment ma père Sayo. Le nom qu'on t'a donné. Esaka Combo. C'est un Combo ma père Sayo. Alléluia. Esaka Combo. C'est un simple nom. Il y a un 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 nom. Qui met fait au sida. Qui guérit la gastrique. Qui guérit le myome. Qui donne des enfants. Qui élève. Oh, 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 oh. On t'a donné un nom. Tu vas mourir demain. On t'a donné un nom. Tu n'auras pas la licence. On t'a donné un nom. Tu n'es rien en famille. Laisse-moi te rassurer. Ce nom sont des hommes. Ceux qui donnaient ce nom, ce sont des humains. Ils ne sont pas plus que Dieu. C'est lui qui connaît ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui a ta destinée. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce matin, si tu crois Jésus, même en ta famille, vous êtes célibataire, vous ne vous mariez pas, vous ne vous prospérez pas. En famille, vous n'êtes pas béni. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus. Tu vas connaître ton mariage. Tu vas connaître. Tu vas prospérer. Au nom de. On t'a donné un nom. Je connais pas le nom qu'on t'a donné. Le médecin t'a donné un nom. Il a dit avec cette maladie. Prends seulement les médicaments. Il s'est arrêté là. Avec cette maladie. Prends seulement les médicaments. Il s'est arrêté là. On t'a donné un nom. Tu as pris des médicaments. On s'est moqué de toi. Critica. On t'a critiqué. Ils ont tout fait. Et ça, problème. Ce n'est pas un problème. Je viens te rassurer. C'est lui qui t'a donné un nom. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est lui qui t'a donné un nom. Que tu es pauvre. Que tu es limité. Que tu n'es pas intelligent. Tu es sorti de nulle part. Il a quelqu'un qui l'a créé. Je tiens à c'est Jésus-Christ. Si tu crois Jésus. Si tu crois Jésus. Tu travailles pas, tu vas travailler. Yes. Même si on t'a jeté les projections, Jésus va te guérir. On vient de déposer au temple. On a quatre temples. Au temple à l'intérieur. Ces temples. Les vrais temples, ce n'est pas les briques. Les temples que je partage. Ce n'est pas construit avec des matières. Les temples que je partage. C'est quel temple? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, là où habite Dieu, si parmi nous. Il a dit en Galates, verset 2, chapitre 2, chapitre 2, verset 20, verset 20, abaissez je vis. Ce qui n'a pas bika. C'est n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit à moi. Yesu ne gati nangai. Je comprends. Na kati na yo. En toi. O sa muto porte. O meme muto moko. Tu portes quelqu'un. O yabiki saka malade. Qui guérit le malade. Et quand Yesu sali na kati na yo. Jésus est en toi. Si tu peux refonder. Le sida ne peut pas rester. Tu peux refonder. Les blocages ne peuvent pas rester. Tu peux refonder. Yes. Avuti ma ko refonder. Non, avuti. Yesu sa moto yo posa moto. Jésus est feu, tu es feu. Jésus est feu, Jésus est feu. Jésus élève, il peut t'élever. Amen. Amen. Amen.
Pierre entrait. Il a vu ses paralytiques. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. C'est que j'ai. Au nom de Jésus. Lève-toi. Télema. Et marche. Pétambola. Lève-toi. Télema. Et marche. Pétambola. Lève-toi. Télema. Et marche. Pétambola. Normalement. Normalement. Yes, ma sœur, c'est l'onction. Yes, ce n'est pas colami. Yes, ma sœur, c'est l'onction. Yes, ce n'est pas colami. L'onction est carnée dans mon tout moko. Et par contre, maintenant, il y a un peu de présenté. Que j'aimerais vous présenter. Papa Nangaï. Quand papa va passer, il va monter ici. Quand papa Nangaï. Quand papa va monter. Azomata. Il va monter. Malobanaye Kobima. La parole va sortir aujourd'hui. Et son bikisayo. Ça va guérir. Et son kangolayo. Ça va délivrer ta vie. Et son tombolayo. Ça va élever ta vie. Et son libérayo. Ça va libérer ta vie. Malobanaye Sananxio. Cette parole est l'onction. Malobanaye Sananguya. À la puissance. Malobanaye Sananguya. À la capacité. Yo seulement. Toi. Chakoni makatinayo. Mais la foi, et tu seras guéri. Et tu seras transformé. Quand j'appelle papa, quand nous acclamons le Seigneur Jésus. Bédia et Soumaboko Makasi. Alléluia. N'allez-y retirer ma place aux aïtoum la maboukouna. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es, lève ta main. Alléluia. 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 Jésus, 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 Mata, Mata, Mata. Jésus, 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 Alina Yokayo. Jésus, Jésus. Alléluia. Nous te lèvons. Nous te lèvons en nous. Nous te lèvons. Alléluia. Kumisama. Kumisama e Kumisama Hallelujah. Yemane tolama Ne tolama Ne tolama Ne
Alléluia. Alléluia. Ema bo chanterebe. Alléluia. Eba bo chata paya nemene. Alléluia. Alléluia. Merci papa pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit dans ces lieux. Et il est écrit. Et maman. Et sa renommée se répandait de plus en plus, et de grandes foules s'assembleront pour l'attendre et pour être guéris de leur infirmité. Et il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Ce matin, la puissance du Seigneur est ici. La puissance du Seigneur est ici. Et n'a décrété guérison nayo au nom de Jésus. Et je décrète ta guérison au nom de Jésus. Ils sont venus de partout pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, la puissance de Dieu était là pour les guérir. Paul a dit, l'évangile est la puissance de Dieu au salut. Ce matin, alors que nous recevons la parole de Dieu, de Dieu est parmi nous. Préparez mutema nayo. Prépare ton cœur. Le Saint-Esprit est là pour te toucher ce matin. Pendant que nous recevons Mama Joyce, pour nous partager la parole de Dieu ce matin, acclamons fortement Jésus en recevant la grâce. Acclamez fortement Jésus. C'est lui qui reconnaît que tous ses membres fonctionnent. Moto il peut acclamer très fort pour Jésus. Abete amaboko makasi pona Yesu. C'est lui qui sait qu'il peut crier. Oya yebi ki akoki. Il peut lever la main. Il peut marcher. Akoki otambola. Il peut acclamer très fort pour Jésus. Abete la Yesu maboko makasi. Si tu sais réfléchir. Soko yebi ko kanisa. Pendant ce moment, il y a beaucoup, ils sont sous l'oxygène. Tu es venu peut-être, un organe est malade, mais tu respires librement. La vie que tu as dans l'échelle des valeurs, c'est ce qui est plus. La vie est plus que l'argent. On entend qu'on est en train d'acheter des reins. Ils vendent des organes. Mais tu n'as pas vu là où on vend la vie. Parce que la vie, c'est son domaine privé.
rêver. Ils peuvent créer des robots. Ils peuvent créer des robots. Mais ils ne peuvent pas créer l'air libre qui respire. Alors toi qui respires, reconnais le Dieu créateur. Reconnais-lui avec tes acclamations. Acclame-lui très fort. Acclamons Jésus. Samande reba sonso brochande. Rado subrayande gerelebo. La parole de Dieu dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu es là ce matin. Peut-être organe moko ezobela. Peut-être un organe souffre. Partie moko domaine na yoza malade. Une partie de ton corps. Mais parce que tu es en vie. Parce que tu es en vie, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Acclame très fort pour Jésus. Ceux qui sont dans les séjours de mort ne peuvent pas le faire. Fais-le proprement. Fais-le très bien. Arabo chandelebo tofandi. Veuillez nous rasseoir. Avec l'atmosphère d'un cœur très reconnaissant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes seulement privilégiés ce matin d'être sélectionnés parmi les vivants. Nous voulons vraiment être reconnaissants, Père. Non seulement nous sommes vivants, on se retrouve ici. Beaucoup sont dans des prisons avec les mêmes erreurs que nous avons commises. Beaucoup sont malades avec les mêmes erreurs que nous avons commises. Beaucoup sont morts avec les mêmes assauts que le diable a utilisés. Mais toi, par ta grâce, tu as fait que nous soyons ici. Nous soyons ici. Je peux voir mon voisin. Je peux écouter la prédication. C'est juste, je suis la sélection de la grâce. Reçois toute la gloire, Jésus-Christ. Et maintenant, Saint-Esprit, nous nous soumettons parce que tu veux encore nous enseigner. Parce que toi, tu ne parles pas la manière des hommes. Nous nous disponibilisons totalement avec les effets évidents qui accompagnent ta parole puissante. Nous nous laissons sous ta main puissante. Conduis-nous dans toute ta vérité. Et par l'autorité du nom de Jésus-Christ, en ces lieux, je décrète, l'atmosphère est dégagée de toute impureté. Que l'atmosphère soit dégagée de toute lourdeur. Que l'atmosphère soit dégagée de toute paresse. Et tout entendement soit ouvert pour que Jésus soit révélé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, honore encore ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ pour ce grand privilège de se tenir devant vous. Je suis juste la sélection de la grâce de Dieu. Je bénis Dieu de passer au travers l'apôtre pour cette sélection. Ce n'est pas une habitude. C'est juste qu'il est sensible au Saint-Esprit. Et moi, je suis juste le canal. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes là ce matin. Même ceux qui nous suivent en ligne. Ton temps est fixé pour ne plus subir les assauts de l'ennemi. Ce matin, le Saint-Esprit, nous sommes dans l'école de guérison. Et sous la parole prophétique de la percée. Nous sommes dans l'école de guérison. Ce matin, le Saint-Esprit nous parle de refuser de subir les assauts de l'ennemi.
Refuse de subir ces assauts. Beaucoup de nous, quand l'ennemi vient attaquer, ils se laissent d'abord être soumis, après ils agissent. Ce matin, le Saint-Esprit vient te montrer, vient nous montrer qu'au premier attaque, au premier agissement, tu dois refuser de subir. Refuser, c'est dire non. Pas seulement dire non, c'est agir non. C'est-à-dire, ce que tu dis doit être synchronisé à ton attitude. C'est dire non et c'est agir non. Subir, par définition, c'est se soumettre. C'est être soumis à quelque chose. C'est accepter. Quand on dit que tu subis, c'est-à-dire que tu te soumets. Alors ce matin, tu dois refuser à te soumettre à toute œuvre du diable. Si nous pouvons définir refuser de subir en entier, c'est refuser de subir les assauts, c'est dire non à se soumettre à ce qui apparaît brusque. Parce que les assauts, ce sont des attaques brutales. C'est attaquer de vive force. Et l'ennemi ne vient pas comme comme un gentil. Quand il vient, il s'assure vraiment que je ne peux pas échouer. C'est pourquoi nous appelons ça des assauts. Ce sont des attaques brutales et avec vive force. Après avoir imposé cette maladie, il y a mamie au malade pour mémayo na liwa prématuré. Il t'a imposé cette maladie pour t'amener. Alors dès qu'il y a son mamayo na makasi. Tel qu'il fait en toi, ton premier réflexe. Oh, il bosse c'est quelque chose. C'est de refuser cela. Ezobo ya yango. Ralabazinza brandege shente, zemandera blando shente. Dieu tout puissant, ralabashente. Maladie. Le Saint-Esprit m'a soufflé maladie en définition française. En sous-entend dans maladie, il y a le mot mal. On sous-entend mal et dit. Et il m'a défini ça simplement. Maladie, c'est un mal qui parle. Et dans le mal, il y a derrière le mal, il y a l'esprit du mal. Tu peux te réveiller le matin avec de céphalées. C'est-à-dire mal ezoloba, mabe ezoloba. Cela te prouve que ce mal parle. Parce que bango bazana ndenge na bango bazoloba na ndenge na biso boyete. Parce qu'ils ont leur manière de parler. Dans l'invisible, les pensées parlent, les objets parlent. Namolimo makanisi elobaka biloko pe elobaka. Les mouvements parlent. Koningana pe elobaka. Olamu kiozomona ba symptômes. Tu te réveilles avec des symptômes. Maladie. Bokono. Un mal qui parle. Mabe moko ezoloba. Et peu, si nous allons encore dans malédiction. Ce qui te kepe na elakela mi mabe. Malédiction. On entend mal et dicté. C'est un mal dicté. Quelqu'un a dicté cela. C'est un mal dicté. Malédiction. Et dans les
Deutéronome 28, nous voyons qu'il y a des maladies, des malédictions de la loi. Dictée, un mal dicté. Dans Deutéronome 28, nous avons dit que 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 un mal qui te dirige. Comme c'est un mal qui parle, nous devons dire non parce que ça parle. Et c'est un litoboya, un mopoya, un zoloba. Ndenge zoloba, yo peut faire ça, réponse. Tel que ça parle, tu dois répliquer. N'est-ce pas que ceux qui moutoyent kolobila, yo vanda kakababoui. Quand quelqu'un vient te parler, tu ne restes pas. Ozongi sa ka réponse. Tu répliques. Maladie, c'est un mal qui parle. Maladie. Bokonezabo pasu zoloba. Dans l'invisible, on attend à toi aussi de répondre face à cela. Tu dois dire non quand elle apparaît directement. Tu ne peux pas attendre. Dès que moni moi likwanza wana, tu ne peux pas accepter. Tu te soumets d'abord. Après okay, munganga, apprende oyeko quoi agir. Dès que ça apparaît. Tu dois dire non. Ce matin, il y a une grâce qui répand. De dire non à tout ce que l'ennemi te projette. Tu dois refuser de subir. Matthieu 18, 18. La parole de Dieu nous dit tout ce que tu refuseras. C'est que tu refuseras ici sur la terre, autrement dit dans le visible, c'est que toi tu refuses sera refusé dans l'invisible. C'est que toi, parce que Dieu va refuser pour toi tout ce que toi tu vas refuser, et dans l'invisible ça sera validé. Zibrando Chande, que le Saint-Esprit apporte une révolution. Pendant cet enseignement, le Saint-Esprit va commencer à te flasher tout ce que l'ennemi veut te faire subir. Pendant l'enseignement, toi tu vas commencer à dire non. Wana matea o ezoya bolimo santa banda ko lakisa nyoso monguna linga chela ona poisa e yoko banda ko boya yango. Matthieu 18 18 1 Pierre 5 9, la parole de Dieu nous dit résistez le diable. Telemela satana. Derrière ce mal. Simaya bokono wana. Derrière ce mal dans n'importe quel domaine de ta vie. Parce que le diable n'attaque pas seulement le corps. Il peut rendre un domaine de ta vie malade. Derrière ce mal, il y a un esprit derrière. Matthieu chapitre 18, verset 18, version parole de vie. Yes. Je vous l'ai dit la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, amen, on le refusera dans le ciel. On le refusera dans le ciel, c'est-à-dire dans l'invisible. Mais le Dieu suprême, c'est lui qui prime. Après, il y a là où la méchanceté se passe. Alors, quand toi tu refuses dans le visible, les esprits méchants se soumettent. Et Dieu suprême aussi valide ton nom. Lingala ya lelo. Yes. Nalobi na bino ya solo. Yes. Ma bonyo bino boko kanga awa na se. Nzambe pe akokanga yango na. Amen. Ma bonyo yes. Voilà. Derrière ce mal, il y a l'esprit du mal. 1 Pierre 5, 9. Résistez le diable. Il rôde. Il y a quelque chose qui ne finira pas parce que c'est l'adversité. Nous sommes devant l'adversité jusque l'église sera enlevée. Il rôde.
La parole de Dieu nous dit, dans ses épîtres, il parle de l'Église. Il dit résistez-lui. Résister, c'est comment? Au premier pas, toi aussi tu attaques et tu deviens défensif. Tu ne peux pas le laisser opérer. Résister, c'est prendre l'attitude de ne pas laisser à l'adversité d'opérer. C'est ça que tu résistes. Ce n'est pas dit que si basalio mabe après yondo bandi ko résister. Ce n'est pas ça dans la pensée de Dieu. C'est pas être victime et répliquer après. Voilà. Ce n'est pas accepter d'abord être victime. Et ça après ndoye ko répliquer. Et par après tu répliques. Résister. C'est-à-dire toi aussi tu attaques. Toi aussi tu deviens défensif. Et tu le refuses à opérer dans ce domaine-là. 1 Pierre chapitre 5. Yes. Verset 8 et 9. Yes. Soyez sobre. Yes. Veillez. Yes. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Voilà. Cherchant qui il dévorera. Yes. 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Yes. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachant que les mêmes souffrances. Il impose. Parce qu'il les fait brutalement. Avec une vive force. Il impose aux frères, pas au monde. Pas au monde. Parce que le monde l'appartient déjà. Il est le prince du monde. Il n'a pas besoin d'attaquer parce qu'ils sont sous son emprise. Et lui, quand il vient attaquer, c'est aux frères et aux sœurs dans l'église. Et toi, le Saint-Esprit de Dieu ce matin, tu dois refuser ces attaques-là. Tu dois refuser ces attaques-là. En se tenant dans l'attitude de résistance. Version Lingala Yalelo, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Yes. Bofungola miso. Yes. Bosala ekenge. Bofungola miso. Ouvrez les yeux. Fungola miso. Ouvre tes yeux. Et le koane bandi karaneti ganglion. La chose vient de commencer comme un ganglion. Entre jambes na yo ganglion. Fungola miso. Ouvre grandement tes yeux. Il est venu avec une vive force. N'accepte pas ce ganglion. Kondi ma ganglion anate. Bo fungola miso. Yes. Bozala ekenge. Yes. Pambate. Monguna nabino zabolo azali ko tambola tambola lokola tambo oyo ezali ko ganga pe ko luka moto ya kolia. Yes. Nef. Yes. Bobo yaye. Bobo yaye, c'est ça résister. Bobo yaye, refuse. Boya, refuse. Boya. Bobo yaye. Bondi melaka kanzambe. Yes. Po boye biete bande konabino oyo ba panzana na mokili. Voilà. Mobimba ba monaka pasi sendenge moko. Bande konabino ba panzana na mokili mobimba. Vos frères qui étaient éparpillés partout dans les mondes, ils ont souffert de la même manière. Cet apôtre Pierre, il se rappelait Thomas Petelo, Akanisi, de comment Étienne a été attaqué de vive force par l'ennemi. Le lengeni Étienne ba attaqué na monguna na bakasi. Il a dit les mêmes souffrances. Alobi pasika ka lengue wa. Il impose aux frères dans le monde. Azo tiele yango bana nzambe. Alors moi je vous parle maintenant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nga na zolo bebi na si akopé ma moni. Résistez lui. Voilà. Les mêmes souffrances, il impose. Le lengue moko ya bapasi wana zo tie yango na makasi. Pralado cheke célébre. Par la rédemption en Jésus, nanzela lisi kona Yesu Masia. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Toza lisi soute na si akokanga ma ya satana. Hébreux 2 14 à 15. Par la rédemption, nous ne sommes plus sous son emprise. Voilà pourquoi moni il rôde azo kende azo, c'est-à-dire il doit se venir à Mecca, mais à koki koya na circonférence na yote. Azo Mecca de l'extérieur. Il vient tenter kasi akokote sika yo zate asala musala.
Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, version Louis II. Yes. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'anéantit, c'est continuel. Par la rédemption. Si tu es sauvé, tu entends cette parole. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Nous avons échappé son territoire. Alors ne lui laissons plus le temps d'opérer. Nous ne pouvons plus lui donner l'espace car nous ne vivons plus sous son territoire. Soyons éveillés. N'attends pas que cette fièvre atteigne ce niveau 40. Et cette douleur sur ta jambe. Et comme on a niveau est paralysé partie droite na yo. Atteint le niveau de paralyser ta partie droite. Dès que ça apparaît. Tabuka ke bimi. Tu dois refuser. Et sengeli opo ya yango. Amen. Beaucoup de nous attendent que le mal s'aggrave. Mingi kat na biso bazela kamabe koma monene. Et là le Saint-Esprit parle dans tous les domaines où tu peux être malade. Tu peux être malade dans ton âme. Tu peux être malade dans ce que Dieu t'a mandaté de faire. Il y a un mal qui vient tout le temps brutal t'attaquer. Mais tu attends toujours que ça s'aggrave. Or tu dois dès le premier pas à agir, non. Il y a aussi d'autres qui commencent d'abord par accepter. Et ensuite, ils cherchent l'intervention des dieux. Il attend d'abord. Il tente avec le médicament. Et quand l'ennemi aussi opère, peut-être pas papa mbikudi, toi maman mbikudi. Il t'envoie peut-être chez jusqu'à ce que au accepter en tant au komina suka nde oyé ko luka intervention de Dieu. Et quand tu seras au bout de la tunnel nde oyé ko luka nzambe. Or Dieu n'a pas mis un protocole pour être guéri, c'est-à-dire il faut bandana bouyer. Au bandana boye, après au yekomonanga, il n'y a pas un protocole parce que il a déjà guéri toutes les maladies. Nzamba si abiki sa bokono nyoso eza na lolenge moko to sengeli olanda o eza universel et chama e komama. Voilà, ezate. Dans la parole de Dieu, on ne voit pas. Nakati eloba nzambe to moni yango te. Notre frère a l'habitude de dire on n'est pas contre la médecine. Mais nous sommes là pour voir la parole vivante. Ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas le dire. La vérité reste la vérité. On n'a pas vu un protocole pour être guéri. Et parce qu'il n'y a pas un protocole, dès le premier, et le réflexe de dire non à cette situation. Yes. Version parole de vie, verset 14. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de le faire mourir. Voilà. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain. Voilà. Pour enlever sa force à l'esprit du mal. Pour enlever sa force à l'esprit du mal. Il est devenu humain. Il est devenu humain. Parce qu'il savait. En tant qu'esprit, tu as un corps humain sur la terre. Il est devenu humain. Pour en finir avec lui. C'est-à-dire toi. Par la même capacité que Dieu t'a doté. Tu peux en finir avec ce mal.
est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Voilà. Verset 15. Yes. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie. Parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur. En mourant, Jésus les a libérés. Amen. En mourant, Jésus les a libérés. Ils avaient peur. Par cet enseignement. Et par l'autorité du nom de Jésus, tout celui qui est sous l'emprise de la peur, que cette peur soit chassée au nom de Jésus. Tu as peur que la personne que tu as laissée à l'hôpital meure, que cette peur soit dégagée au nom de Jésus. Amen. Version Lingala Yalelo. Lokola bana wana bazali bato. Yesu pe akomaki moto lokola bango. Natina ete na liwa na ye asuki sa zabolo oyo asimba nguya ya liwa. C'est un danger de placer Dieu au deuxième rang. Ezali kama monene kotia nzambe na sima ya makambo. Car dans tes premières solutions, tout peut s'arriver. Tout peut arriver. Tu as dit, bon, je commence par ça. Ce que Simbite, si ça ne marche pas, c'est alors que j'irai consulter Nzambi. Consulter c'est un danger. Ezalikama. Parce que dans tes premières solutions de toi-même, là, tout peut se passer. La parole de Dieu dit au commencement, Dieu. Il doit être notre premier réflexe. Dans tout et pour tout. Premier réflexe. Ça doit être d'abord Dieu. D'abord Dieu. Esaïe 30:15. Ces personnes, Dieu s'inquiète. Il a dit, ils n'ont pas voulu placer leur confiance en moi. C'est pourquoi ils se sont mis dans les tourments. Esaïe 30, 15 à 19. Esaïe chapitre 30, à partir du verset 15e, version Louis II. Yes. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Yes. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Voilà. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance en moi que sera votre force. Et zali na kimia pe ko tiela nga motema nde ko zala makasi. Que sera votre force. Et ko zala makasi. Tu es là, tu es affaibli. Oza aussi par cette situation qui te complique. Na likambwana ezo si so mayele. Sache que ta force proviendra quand tu te mettras toute ta confiance en l'Éternel. C'est la réside de la force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. 16. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. Ils n'ont pas voulu. Il a dit non, on va faire ça. Il a refusé et il s'est décidé de faire autrement. Je dois commencer avec ces remèdes traditionnels qu'on m'avait prescrit. Il faut non benga. Je dois centre médical. Mon oncle qui a un centre médical. Vous n'avez pas voulu. Vous avez tourné d'abord votre confiance avec vos chevaux, votre manière d'opérer. Obalusi, ma pensée n'a eu d'abord na Inde. Tu tournes tes pensées premièrement vers l'Inde. En Europe. Na Europe. Il y a où il y a des grands médecins. Et si kaminga ngamine ne bazali. Il a dit ils n'ont pas voulu. Balinga kite. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval.
C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous mettrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Yes. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Amen. Il y a la miséricorde de Dieu ce matin pour toi. Amen. Toi qui as couru, il y a la miséricorde de Dieu pour toi. Voici ce que déclare le Seigneur, parole de vie et Bible expliquée, Ésaïe 30:15. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Il ne sert à rien de se fier à la force des hommes ou au pouvoir des armes. Ils ne pourront apporter ni secours ni salut. Il ne sert à rien de se fier à la force des hommes. Nalikambo nous traverser la destinée maritale. Face à ce que tu traverses dans ton Olingi belle famille ba côté là, tu es malade dans ce domaine maritale. Ozobela na o etali libala. Il ne sert à rien, le Saint-Esprit t'annonce, de se fier à la force des hommes ou au pouvoir des armes. Ils ne pourront apporter ni secours ni salut. Mais se tourner vers le Seigneur et lui faire confiance, voilà ce qui donne la paix et le calme. Se tourner vers le Seigneur, voilà ce qui donne la paix et le calme. Tu as tant cherché des pouvoirs des hommes. Tu as cherché des remèdes. On mêlit antibiotiques, on change lobby au balouki lobby. Tu as pris des antibiotiques. Au côté radio, au côté échographie. Tu es allé à faire des radios échographies. Ça n'a apporté à rien. Mais ce matin, le Saint-Esprit t'annonce. Se tourner vers le Seigneur et lui faire confiance, voilà ce qui donne la paix et le calme. L'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Je bénis l'Éternel. Tu as venu ce matin. Ezo la kisake ozongelie et ozo tia confiance na yo total na ye. Prouve à suffisance que tu retournes à l'Éternel et tu places ta confiance en lui. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Que ferais-je avec ces gens? Ils ne veulent pas. Je leur montre le canevas pour leur sortir à cette situation. Mais ils ne veulent pas. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. De me faire confiance que cette opération n'aura pas lieu. Je mets toute ma confiance en l'Éternel. Toute ma confiance. Ce n'est pas que na moni na opération na ndenzamba ko intervenir. Ça, ce n'est pas toute la confiance. Je pense que Dieu pourra intervenir au travers de toute ta confiance est absolue, ça ou rien. Motema na yo nyonso vandika kawana. Ye te eloko mosusu te. Tant non kende na opération wana.
Cependant, quand j'irai à l'opération, bien. Là, après ce n'est cela, pas la toute confiance. Je serai soulagé. Toute ta confiance, c'est absolu. Ça et ça et ça ou rien. Amen. Amen. Version Lingala Yalelo, Esaïe chapitre 30, verset 15. Yes. Kolo ya wenzambe ya bosantu ya Israël alobi boye. Bokobika bobele soki bozongi epai na ngai. Amen. Pe bokitisi mitema. Amen. Okitisi mutema. Mutema no eza calme lilo. Que ton cœur soit calme. Sois calme. Vanda kimia. Oya ki mercredi passé. Tu étais là le mercredi passé. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Sois calme ce matin. Toute ta confiance soit tournée seule pour Dieu. Yes. Bokobi kabobele soki bozongi epai na ngai. Amen. Pe bokitisi mitema. Amen. Kitisa mutema. Bokozwa makasi. Le Saint-Esprit te dit kitisa mutema. Apaise-toi. Et il est en train de rafraîchir ton cœur par rapport à cette situation-là. Azoyo kisa mutema na yo malamu na likambwana. Obengi ba connexion nyonso. Tu as cherché toutes les connexions. Osali nyonso. Tu as tout fait. Alobi kitisa mutema na tongo ya lilo. Apaise-toi ce matin. Mets toute ta confiance en moi. Je sais comment je vais faire les choses. Je suis tout suffisant par moi-même. Je ne dépends de personne. Je ne dépends de personne. Je suis l'Éternel tout suffisant. Aucune force humaine ne peut m'apporter le secours. Bokozwa makasi bobele soki bofandi kimia. Amen. Pe botie mitema epai na ngai. Kasi bino bolingi bongo te. Bino bolingi bongo te. Bolobi. Tolingi te. Tolingi te. Tokokima na bapunda. Tokokima na makamu na biso wana nde tosala ba manière na biso. Bapunda na biso ezali mbangu. Likambo te. Boko kima na bapunda. Boko kima na bapunda na bino nga na zawa na ozela bino. Kasi. Bato oyo bakolanda bino bakoleka bino na mbangu. Pas pour nous ce matin. Amen. Yes. Monguna moko pamba akobundisa bato na bino koto moko. Voilà. Soki boyei mitano. Kisi wanaka kando meli. Le médicament que tu viens de prendre. Oyo kima kina yango. Vers lesquels tu étais Kaka allé. Yangonde et dégradé l'issue situation. C'est ce qui a empiré la situation. Verset 18. Nzokande. Yahweh azali kaka na likanisi ya koyokela bino mawa. Amen. Alingi kokotela bino. Amen. Pambate. Yes. Azali nzambe oyo akokisa kabilaka na ye. Amen. Esengo na bato nyonso oyo batiaka mitema epai na ye. Esengo na yo otie motema na ye na tongo ya lelo. Ozo bima awa na esengo. Ozo bima awa éclaté de joie. Verset 19. Yes. Bino bato ya Sion. Bino bato ya Fim. Amen. Bofanda kana Yerusalemi. Voilà. Bokolela lisusu te. Bokolela lisusu te. C'est la parole de l'Éternel annoncée à quelqu'un là dans la foule. Okolela lisusute. Bokolela lisusute. Amen. Tango bokobelela Yahweh. Amen. Ye akosalisa bino. Amen. Tango akoyoka bino. Yes. Akopesa bino eyano. Akopesa bino eyano na yo déjà yamba yango na tongo ya lelo. Reçois ton exaucement ce matin. Ils n'ont pas voulu placer leur confiance. Et ils se sont mis dans des tourments. On place sa confiance en l'Éternel seul. Seul. Proverbe 3:5 B et X. Et non dans la chair. On place sa confiance en l'Éternel seul. Et non dans sa chair ou dans la chair des autres.
Batia la kaka kanzambe motema okotie la yomokote atako moto mosusu pete. Pas sur ton intelligence. Kotie la mayele na motema. Pas sur l'intelligence de ton voisin. Kotie la mayele moninga motema te. Il y a aucun spécialiste à part l'Éternel Dieu tout-puissant. Ezala mutu mokota yebi malamu. C'est lui le spécialiste de ce domaine là que toi tu ne maîtrises pas. Nzambe nda yebi malamu na ngambo makambo yoso kokako yeba te. Proverbe chapitre 3 verset 5 version Bible expliquée. Yes. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Kotie la mayele na yo moko motema te. Ndenge attaque oyeye, tikana tia ba stratégie o. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Komitie la yo moko mayele na te. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Place toute ta confiance dans le Seigneur. Tu as motema na yo nyonso na Yahweh. Toute ta confiance. Motema na yo motema. Ta confiance ne peut pas se fier à ton intelligence ou dans la chair d'un homme. Motema na yo evandela na mayele na yo te to na moto mosusu. Pour ce projet que tu as, que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Place toute ta confiance en l'Éternel. Tiela Yahweh motema na yo mobimba. Moto mosusu te. Yes. Version Lingala ya Lelo, verset 5, Proverbe chapitre 3. Tia motema na yo mobimba na Yahweh. Amen. Komi pesa na mayele na yo mokote. Komi pesa na mayele na yo mokote. Nous allons commencer à aller rapidement. Ne place pas ton intelligence, ta sagesse. Kotia mayele na yo te bwania na yo te. Aux autres, ce qu'on appelle dans les hommes. Na bato mosusu te. Jérémie 17, 5 à 6 l'a dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Jérémie a lobi Allah que la mama be moto azotie la motema na mobimba na moto mosusu. La sœur Michi peut voir ça. Jérémie 17 5 à 6. Maudit celui qui se confie dans l'homme. Allah que la mama be moto ataleli moto. C'est-à-dire toi-même tu appelles le mal vers toi. Quand tu te confies dans l'homme, tu appelles le mal, tu attires le mal. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui tu t'attires le mal parce que Dieu a dit, mets toute ton confiance en moi. Yes. Jérémie chapitre 17 verset 5. Yes. Ainsi parle l'Éternel. C'est ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Yes. Qui prend la chair pour son appui? Qui prend la chair pour son appui? Tu te confies dans toi-même, dans ta beauté, dans ton intelligence pour cette situation qui est malade. Gloire à Dieu pour ta beauté. Gloire à Dieu pour l'intelligence. Mais à chaque fois que tu t'appuies sur cela, toi-même tu t'attires le mal. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Et voilà. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà. Il est misérable. Quand tu t'appuies sur toi-même ou sur dans la chair d'un homme, tu deviens misérable. Tu appelles la misère parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Et quand tu t'appuies sur toi-même ta chair, c'est parce que je suis belle, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai l'argent, j'ai mon argent. Cette maladie n'a pas écouté une seconde. Je vais m'en débarrasser facilement. Tu vois comment on a constaté le prostate.
Tu as dit, j'ai mon argent, je vais aller à l'extérieur du pays. Tu t'attires la misère. J'ai mon argent. J'ai des connexions avec ce problème. Je ne m'inquiète pas. Il a dit, tu es misérable. Tu as même, tu t'attires ce mal-là. Pourquoi nous devons refuser de subir les assauts de l'ennemi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a changé d'adresse. Jésus-Christ t'a changé d'adresse. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois refuser ce mal. Jean 10, le verset 10 à 11. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Jean 10, et le biété. Moïguna to moïbi ayaka kaka koyiba kobebi sape koboma. Kasingai na yepona pe sabino bo moïa kofu. Tu dois refuser de subir. Parce que tu n'es plus sur le territoire de l'ennemi. Tu dois lui rappeler que je ne suis plus sur ton territoire. Alors tu dois enlever ta main maintenant même. Colossiens 1, 13, Jean 10. Pourquoi nous devons refuser? Parce que Jésus-Christ nous a changé d'adresse. Ozalakalisusu n'esika wana ya pasite. Tu n'es plus sur Ozalakalisusu na soni wana te. Tu n'es plus dans cette honte. Jésus t'a changé d'adresse. Yesu alongola esika wana. Jean chapitre 10 verset 10 version Louis second. Yes. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà. Ça, la constitution de l'ennemi, c'est de détruire. Quand il t'attaque brutalement, c'est pour te détruire. C'est pour voler ta joie. C'est pour te projeter la mort prématurée. C'est ça sa constitution. La chose que tu sache que son but est détruire. C'est pour te détruire. Et détruire destinée na yo. Détruire ta destinée. Et baby sa yo. Détruire. Et ce qui est habité est même mayo na liwa précoce. Et à ton insu, ta mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi je suis venu avec une nouvelle constitution. Ma constitution à moi, c'est pour vous donner la vie en abondance et que vous soyez dans l'abondance. Nanzela ya autorité ya lilobanzambe kozanga waneza la remplacer na abondance. Remplacer na abondance. Abondance est côte au nom de Jésus. Colossiens chapitre 1 verset 13 version Bible expliquée. Il nous a en effet arraché à la puissance de la nuit. Voilà, il nous a arraché. Apotola biso na makasi. Na adresse wana ozalaki. Là où tu vivais autrement. Adresse wana ya soni. Cette adresse ya passe. De la misère. Ya kolela. De plus. Yesu lokoni ya sali. Qu'est-ce que Jésus dit? Peut-être sera tourna ki olinga kotika la wana. Peut-être il alobi na kotuna orlité. Je ne donne mandat. Na kotuna michité. Ni à la mais na ye pas force. Je viens kolongo la yekuna. Lui arracher de ces lieux. Adegere bo chande. Il nous a arraché par force. Il nous a changé d'adresse. Dans cette force. La force. Il t'a pris de force. Maladie. Dans cette force. Maladie, maladie. Est cyclique. Oh, et son zonga n'a pas saison.
déjà, au changer d'adresse. Tu avais déjà changé d'adresse. Alors si tu es ici, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui nous a arrachés. Nous dépendons de lui. Nous étions tous avec la peur. Mais lui, il est venu. Il nous a arrachés. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est un honneur pour toi. Tu peux te lever, venir sur l'autel. Jésus, je te donne ma vie ce matin. Causez la tes prédications ici là. N'attends pas la fin. Pousse-le sur l'autel. Lève-toi et viens. C'est un honneur à celui qui peut faire cela. Personne d'autre ne pouvait faire. Aucun homme ne pouvait le faire. Aucun prophète ne pouvait le faire. Si ce n'est Jésus, c'est lui qui nous a arrachés. Oligo y a baillé ceci qu'aux ali tellement la lombango ya kalibosso. Yes. Il nous a en effet arraché à la puissance de la nuit. Amen. Et nous a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. Il nous change d'adresse. Allez, qui si bisso la bo continuer longo li bisso ska tozala ki yakala. Il nous a passé dans son royaume. Allez, qui si bisso na bo continuer. Pourquoi tu dois refuser? C'est parce que Jésus-Christ nous a changé d'adresse. Nous ne sommes plus sur le territoire de l'esprit du mal. Voilà pourquoi nous devons refuser les œuvres du mal. Parce que par la rédemption, on a échappé à son territoire. À chaque fois que tu vois le mal, vouloir surgir. Rappelle-le. Et je ne vis plus sur ton Jésus territoire. Jésus m'a changé de territoire. Je ne suis plus sous ta constitution. J'ai échappé en Jésus. Rappelez l'initiateur de ce mal. Peu importe les circonstances utilisées, moi en Jésus, j'ai déjà échappé. Tu as changé d'adresse. C'est pourquoi tu dois refuser de subir. Celui qui croit. Et ça, oyo aza légalement na constitution na akonzima. Notre frère Asali droit à Yebi. Et notre frère Jonathan. Dengue toza na constitution na biso na parlement. Dengue toza na akonzima yango. Mais constitution, il y a président Sassou. Il faut te refuser. Nous devons refuser. Akoko longwa kunate aye imposer constitution nae. Il ne peut pas franchir ses limites pour nous imposer. Pèse sa frère micro. Ceux qui n'ont pas la constitution depuis 2006, ils ont habité sur Mboka et ils ont voté dans le parlement. Mais pour que loi Moussou Soudi Libanda traité international, to convention, moussousou, et pas nabissou awa, il faut que nous soyons dans le Parlement, les députés, les sénateurs, va valider la ratification, va ratifier. Après, on a dit que nous avons commencé à faire la ratification. Mais quand on a dit que maintenant, c'est lui qui doit aller à proposer constitution. C'est lui qui peut aller proposer l'esprit cela. Du mal. Lui, il a été précipité. C'est-à-dire, Ata Azana Lua Moko. Même s'il avait une loi. Ko zonga li susu te po ba valide loa wana. Il ne peut plus rentrer. Na tongo ya lelo. Lo poko na ye ya mwindu. El longwa li kolo adzoto na yo nom de Jésus. Sois ôté sur ton corps au nom de Jésus. Ya ko ki zonga li susu te. Il n'a plus la légalité de rentrer. Proposer loi. Pour venir proposer il n'a plus loi. De place.
dans le royaume que toi tu trouves maintenant, le diable n'a plus de parole, il n'a plus de droit. Maboko wana zibrande gachandere lebo. Et constitution naye akokyo koti sangote comme valide na royaume naye. Et il ne peut plus valider sa constitution dans ta vie, dans ton royaume. Toi tu dois refuser. Parce que constitution naye ezo lié yote. Parce que tu ne fais plus part de sa constitution. Ba o bazana moki. Ça peut lui essayer. Mais yo aussi au longwa. Et toi tu n'es plus mais dans aussi le longtemps yo oboyi yangote. Aussi longtemps tu ne refuses pas. Au se soumettre na constitution. Yebete onimi yango mikitisi. Pourquoi nous devons refuser de subir les assauts de l'ennemi? Pour ne pas faire, pour ne pas se faire contrôler et influencer par l'ennemi. Pourquoi tu refuses? Parce que lui sait qu'il veut, il veut prendre le contrôle. Il veut contrôler le contrôle. Il veut prendre le contrôle de ta maison. Lélo moana biksami na kosu kosu. Aujourd'hui, ton enfant l'obimokwasu en Chine. Et l'autre donc, ezakali pate. Ça vient tour de rôle. Bandi na yaya. Lorsque ça commence chez le nez. Kiti na yaya mi balé. Ça descend. Et souka kana mwa na souka. Et ça finit au cadet. Pourquoi toi tu dois refuser? Pour la nier sengali obo. Pour que yé azwa contrôle yanda kuna yoti. Pour qu'il n'ait plus le contrôle sur ta. Il faut boya. Tu dois refuser. Tawe bandi kaka na yo mama. Dès que tu sens cela. Boya yango. Tu dois couper refuser cela. Psaume 125, le verset 3. Pour ne pas se faire contrôler et influencer par l'ennemi. Et bandaki na mwana. Ça commence avec ton fils. Na ba travailleur. Ça va chez le travailleur. Et panzani. Et ça se répand. Et bandi na mwa si na yo. Ça commence chez ta femme. Et kiti. Ça transcende. Et changer forme. Ça change la forme. Pourquoi toi tu dois refuser? Pour qu'il ne contrôle plus cette situation-là. Psaume 125, le verset 3. Psaume chapitre 125, verset 3e, version lui second. Zibrado sheketele. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Yes. Afin que le juste ne tende pas le main vers l'iniquité. La verge, le bâton de la méchanceté, Nzete ya kanza, ne peut pas rester dans les lots des justes. Et okioti kalate likolo ba yengebene. Et gloire à Dieu, nous sommes des justes par Jésus. Tokomi ba yengebene na nzela Yesu. Si tu es sauvé ce matin, soki obiki sa matin mona lelo, Jésus t'a imputé sa justice. Yesu atia bosembo na katina. Mais au cas où tu n'es pas sauvé, tout ce que le Saint-Esprit annonce ce matin, toi peut-être par la miséricorde tu vas bénéficier. Mais ça ce sont des droits légaux pour des justes. Il a dit le bâton de la méchanceté ne peut pas rester. Ne peut pas rester. Si ça demeure. C'est-à-dire bah juste bah vandi. Ça veut dire que les justes sont inconscients. Bah juste bah vandi. Ils sont là assis. Bah accepter y'a qu'on se soumettre na bah assoana. Et ils ont accepté ces assos. Il a dit afin que juste wana, c'est juste. Bah s'étendre vers iniquité. Ne tende pas la main vers l'iniquité. Tant que asso ayez. Et ça peut influencer na mabé. Et ça sécheresse na domaine moko. Ça introduit la sécheresse sous ce domaine. Pour t'amener à avoir de dettes. Sécheresse et comprendre. Tu ne comprends pas cette sécheresse. Tu quand même na défa. Non, je dois prendre des. Et ça t'amène. Quand je vis, ça vient par la maladie. Et tindi kio na ba dépense et ba dépense comme il influence ndakuna yo. Ça te pousse faire des dépenses qui influencent ta maison. Ozaki na projet que ce qui papa ba foutiye. Tu avais des projets que si mon mari la fin du mois o toko sombelo ko songolo. À la fin du mois nous achèterons tes. Mais maladie est koti brusque na ndaku. La maladie entre brusquement dans la maison. Comme il soit contrôle.
et ça prend contrôle. Pour t'indiquer yo na ba dépenses inutiles. Pour te pousser à faire des dépenses. Tu allais faire ce bien à cette sœur. Olinga ko sala ndeko wana mwasi bolamu. À ce frère. Ndeko mobali wana. Mais subitement. Na poisson. Asso eyé. Momekano eyé. Pour te bolamu wana olinga ko sala na mbongo et kende esika mususu. Pour que ce bien la prenne. Nous devons refuser pour ne pas se faire contrôler et influencer par l'ennemi. Et c'est un litre de boya monguna kambabiso toi tindika otokosala. Yes. Version Bible expliquée. Yes. Un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie de fidèles. Un gouvernement. Boulamatadi. Yes. Un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie de fidèles. Amen. Autrement, ceux qui seraient tentés de prendre part au mal. Voilà, ils seront tentés de prendre part au mal. Bakome kama basala bango pe mabe. Na tongo ya lelo. Ce matin. Baton nyonso ya méchanceté. Tout bâton de la méchanceté. Oyo moyini a mama yo. Que l'ennemi t'avait imposé. Et ça la déguerpissé à l'immédiat. Soit déguerpi au nom de Jésus. Déguerpissé à l'immédiat. Et longwa kaka sikoyo. Et ça la bâton nini ya méchanceté. Peu importe ce bâton. Et ça la ya maladie. Ça soit maladie. Ya soni. De la honte. Ya kozanga. De manquement. Ya basango mabe. De mauvaises nouvelles. Bâton wana et ça la déguerpissé au nom de Jésus. Que ces bâtons soient déguerpi au nom de Jésus. Version parole de vie. Un mauvais roi ne pourra pas gouverner le pays de ceux qui obéissent à Dieu. Voilà, un mauvais roi ne pourra pas gouverner le pays. Amen, amen. Il ne peut pas. Yonde, il faut ozongi saye na place na. Tu dois le ramener à sa place. Un mauvais roi ne pourra pas gouverner le pays de ceux qui obéissent à Dieu. Yes. Autrement, eux aussi auront envie de faire le mal. Voilà, eux aussi auront l'envie de faire le mal. Ceux qui bongoté bango pe bango ka posa ko sala mabe. Tant wayé déjà attaqué pensée na yo. Lorsqu'il vient attaquer ta pensée. Kasomoni ndenge fin du mois eleki to komi déjà le 17 le 18. Au footing d'à côté. Vers le 17, le 18, tu n'as pas encore payé le loyer. Bengaka papa wana. Appelle. Oui, billet sur Okyo là, les panneaux 2 jours, aux ongles à 100 dollars. Lorsque tu passes la nuit 2 jours, c'est ce qui vient t'attaquer brusquement. Aïe, qu'on bundisson, balamoko. Oh, papa wana n'angonga wana. Or, cet homme, à ce moment-là, il a déjà contracté le VIH. Asi azui bokono ya sida. Il te pousse vers le mal. Maintenant, toi. Tu ne peux pas accepter. Tu dois le remettre à sa place. Par l'autorité du nom de Jésus. Quitte mes pensées. Quitte mes pensées. J'ai mis toute ma confiance en l'Éternel. C'est lui mon pourvoyeur. C'est lui mon pourvoyeur. Il vient avec des bâtons de méchanceté pour te pousser vers l'iniquité. Et après l'iniquité, c'est la destruction. Zibrado chandegere les basontis. Pour ne pas se faire contrôler. Tu dois refuser de subir. Maintenant, comment refuser le Saint-Esprit atterri par là? Comment refuser les assauts? Comment refuser de subir? Mais si on dengue nini ko banda na tongo lelo dengue na zobi mana banda ko boya tango nyonso ye ko attaquer nga na boya. Comment refuser lorsque les assauts viendront? Comment refuser? Parler à la montagne et non de la montagne. Lobela likolo ya ngomba kasi na ngomba te. Lobela ngomba me ko lobela ngomba te. Parler à la montagne, s'adresser à la montagne. Lobelangomba. Mais situation wana ko lobelangoti. Mais ne parle pas de cette situation. Parce que tu refuses. Po boyi. De subir. Oh maman. Parce que je refuse. Po na boyi. Na ko sale le panneau publicitaire te. Je ne vais pas. Mais je vais m'adresser à toi. Kasta ko lobelayo. Marc 11:23.
Je ne veux pas parler de toi. Non, c'est la publicité. Je ne veux pas te faire parce de la publicité. Parce que je suis un adepte. Non, je ne veux pas te faire de la je n'irai pas parler mais aux je gens. Je veux m'adresser à toi. Parce que de se de déguerpir devant moi. Amen. Marc 11, 23. Marc, comment refuser de subir? S'adresser à la montagne. Parler à la montagne. Ordonner à la montagne. Commander à la montagne. Et non de parler de cette montagne-là aux autres. Parce que yoboy, comment l'obélango? La chose que tu as refusée, comment tu peux en parler? Non, c'est la publicité. Je ne peux parce pas. Que ça parce que ça ne m'appartient yo pas. Oye. Tu viens. A tcheyo cancer wana. Il t'impose. Yo pourquoi o lobelango? Pourquoi tu dois tu vas t'adresser à ce cancer. Et c'est le cancer. Ce corps. Zotoyo. Tu es illégal. On va dire maintenant même je te commande. La pression mitindo. Quitte maintenant. Le moi sikoyo. Maintenant que ndobe te la mobile nangati. Mais je n'irai pas en parce que non celle est le publicité té. Pour na repanza ça. Nazani agent publicité nayo. Nazani adepte nayo. Nakolobe la yote. Je ne parle pas de la banda tongo ti lobi. Oh yes. Nakolobe la yote. C'est ça refuser. Oh yo neko boya. Parce qu'on a dit refuser. Pour te dire ko boya. C'est dire non. Et ça kolobate. Et agir non. Pe ko sala la tu koko. Dois agir non. Et c'est ngelo tel isa ko boya. Pas seulement parler. Kakozo agir aussi non. Dali sa pe ko boya. Marc 11 23. Marc chapitre 11, verset 23, version Luc 2. Yes. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le sœur Michi va préparer acte 28, 4 à 5 et 6. Il a dit, si quelqu'un n'a pas de doute. Ce qui moto azana moté mekenze il dira à cette montagne. Akolobela ngomba oyo. Ôte-toi de là. Longo esikozali. La parole de Dieu n'a pas dit. Le bananzambe lobité. Il parlera de cette montagne. Akolobana tina ngomba wana. Il a dit il s'adressera à la montagne. Akolobela ngomba. C'est-à-dire c'est une situation entre toi et la montagne. Tu dois épargner les autres de cette montagne. C'est à toi de t'adresser, à commander à cette montagne. L'apôtre Paul, Thomas Polo, il était fatigué. Alembaki. Fatigué. Alembaki. Face à l'esprit de Python. Libosomo limo ya Python. Il ne s'est pas tourné vers son collègue compagnon pour parler de l'esprit de Python. Il était fatigué. Il a ordonné. Toi, esprit de Python, sors de cette femme. Et à l'instant même, il a parlé à l'esprit. Il n'a pas parlé à cette situation à son compagnon. Version Lingala ya Lelo, Marc chapitre 11, verset 23. Yes. Na bino ya solo. Na lobi na bino ya solo. Yes. Soki alobi na ngomba oyo. Longwa wana. Kende komi bwaka na ebale. Toso ke malembe frère. Soki moto. Si un homme. Oyoki abalobi nini soki. Si un est-ce qu'on a dit pasteur? On a dit prophète. On a dit évangéliste. Soki yo. Si toi. Olobeli. Tu peux dire Gomba wana. À cette situation wana. Cette situation. Ôte-toi. Longwa. Et tu ne doutes point. Peotie te mette. Soki yo olobi. Si seulement tu peux parler. Rappelle-toi. Kanisa. Alobi c'est que tu vas refuser ici. Oyoyo koboya. C'est à refuser dans l'invisible. Yango pe koboya c'est que on refusera pour toi. Ezati oba koboya la yo. Dieu t'a doté.
Il t'a investi de l'autorité. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'était le jour de ton investissement. On a investi l'autorité. Et l'ennemi reconnaît cela. Amen. Sokimoto. Yes. Binangomba oyo. Yes. Longwa wana. Sokimoto. Linga les a bien. Sokimoto. Si un homme. Kaka moto. Rien qu'un homme. Osaka wana osa quiconque. Naza a besoin na yeba kombo na hotel lelo osa quiconque. Quiconque esa quiconque. Okoloba nangomba wana. Tu parleras. Okolobe la situation wana. Tu parleras sur cette situation. Yes. Yes. Ce qui moto alobi na ngomba oyo longwa wana amen kende komi bwaka na ebale pe soki a tembete c'est-à-dire tembe ndezo faire résister ngomba na yo tembe na yo na tongwa lelo tembe nyoso eli mon nom de Jésus tembe esi la lelo nom de Jésus Tembezate. Yes. Kolo Yesu alonga. Christ a vaincu. Il n'y a pas à douter là-dessus. Pesoki. Yes. Ati tembete. Kasi. Andimi. Namote ma moko. Namote ma moko. Yoki. Toute ta confiance. Mote ma na yo nyo. Absolu. Mobimba. Pas sur un homme. Namotote. Pas sur une relation. Naboyo kani moko. Pas sur quoi que ce soit. Na eloko moko. Ni tes moyens financiers. Ata mi soloza mote. Peso qui a été embêté, Kasi. Rade Brosiane. Andimi na motema moko. Yes. Eko sala mandenge alobi. Eko sala makaka ndengo lobi. Na tongo ya lelo ezo sala makaka ndengo zoloba. Amen. Ezo sala makaka ndengo zoloba. Ozo bima a ozo mona ba preuve évidente ya parole. En sortant de ces lieux, tu auras de preuves évidentes de la parole. Refuse de subir. Et comment refuser s'adresser à cette situation? Parler à cette situation. Commander à cette situation. Et non, et nous allons voir l'exemple vivant d'un homme qui a refusé de subir. Et acte 28, c'est là que le Saint-Esprit atterrit. Acte chapitre 28, verset 4, version Bible. Que le Saint-Esprit te révolutionne maintenant. Tous les flashs là où le domaine de l'ennemi a opéré avant que tu entres ici. Il te révolutionne. Pour dire non, assez, c'est assez. Et il te lève pour dire assez, non. Assez, c'est assez. Et le qui est le qui. C'est un échec répétitif. Échec répétitif. Lelo, assez, c'est assez. Et le qui est le qui. Racine na boyango. Tu vas refuser cette racine-là. Yes, acte 28, le verset. Verset 4. Quand les habitants de l'île virent ces serpents suspendus à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui... » Comme il y a eu, ma soeur, on va aller rapidement, c'est la parole vivante. Jésus est en train de se révéler. Face à ces problèmes que tu vis, ils ont dit que c'est à cause de tes défauts. Ce que tu traverses là, tu es en train de récolter. Mais lui, Kassiye, le Saint-Esprit l'a orienté à ne pas accepter. Et c'était des accusations fausses. Et c'est là qu'il y a un fond de l'Okuta. Pendant que tu traverses, tu passes. Moi, si on a zolongo anandaku. Cette femme. Et ça pour ma benayou. C'est à cause de toi. Et tu es en train, comme il faut accepter maloba wana, ba mamio yango. Malgré ce n'est pas ça, et comme il faut ndimisayo. Et tu te sens obligé de digérer. Refuse de subir cela. Boya obuka yango. Ils se dirent les uns aux autres, yes. Cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. Verset 5. Mais Paul secoua le serpent dans le feu. Paul secoua.
Paul a tindi kinyoka ango. Mais Paul, c'est quoi? Paul a tindi kinyoka. Quand tu refuses de subir, tu es en train de secouer le serpent. Oso tindi kande nyoka. Le serpent, tu ôtes-toi. Nyoka lomboa. Le serpent ancien, ôte-toi. Nyoka ya kala lomboa. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, kotamba likola ba les nyoka. Scorpions. Makoto. Rien ne peut nous nuire. Pe lokote ko sala biso mabe. Il a refusé de subir. Aboyaki abika yango. Il a secoué. A tindika kinyoka. À chaque fois que tu refuses, c'est le serpent qui est secoué. À chaque fois que tu refuses ces assauts, sache que dans le visible, le serpent est secoué. Mais Paul secoua les serpents dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et ne ressentit aucun mal. Il a refusé de subir. Juste na premier pas. Il a secoué. Secoué. Mais s'il était resté inactif, le serpent pouvait opérer. Cette situation est comme Iboye. La situation là, parce elle que tu l'as laissé opérer. Mais na tongo ya lelo. Ce matin. Ozo beki sa ye a arrêté coopérer na situation. Tu vas l'interdire d'opérer sur ta vie. Yes. Verset 6. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir entendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Batouana bazoze la liwa na yo. Ceux qui attendent ta mort. Bazoze la échec na yo. Ton échec. Bazoze la okueya. Que tu tombes. Bakoze la longtemps. Ils attendront longtemps. Bakoze la longtemps. Ils vont se lasser. Bazoze ba bomondenge to salai. Tel que nous travaillons, nous l'amenons jusqu'au bout. Bakoze la longtemps. Ils attendront longtemps. Sinati et Coco Maté. Yes. Baozala wana baozela baokufa teme baozela. Ils seront là. Bazozela, bazozela. Bakomi koko, bakomi koko. Tiba. Bako vieillir wana yozo pambolama. Yozo kende liboso. Ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Yes. Ils changèrent alors d'idée. Yes. Et dire qu'il était en Dieu. Bakoze la longtemps et puis bazo changer à vie. Yeah. Ils changeront ou la toi vie. Na oya méprisa yo. Lui qui te méprise. Azela ki yo olela. Qui attendait le lite melelo na tonga azo changer à vie. Aïe 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 aïe. Azo changer à vie. Il va changer de ou vie. Ou toi na zela ki. C'est lui qui attendait. Affaire na yo kouya. Que tes affaires tombent. Moussala na yo beba. Que ton travail s'arrête. Azo zela longtemps pe azo changer à vie. Il va attendre jusqu'au point de ma changer sangani. Ils étaient réunis. Ils se réunissaient. On est avec Paul. Napoléon. Basanganaki. Ils étaient réunis. Bazozela. Ils attendaient. Bazozela. Ils attendaient. Peu importe. Attaque. Nombre na bango. Bazozela échec na yo. Qui attend ton échec? Bazozela maya miso na yo. Qui attend voir tes larmes? Na tongo ya lelo. Ce matin. Bazo changer à vie. Il change ta vie. Maboko wana. Baloba qui est sa sali kindumba. Il a déjà fait le matrice et ses beba. Sa matrice. A comme ma banate. Comment est-ce qu'elle aura dit? Bazo zela longtemps. Ils attendent. Et puis bazo changer à vie. Et ils changent. Bango moko bazo bengo mama ma passe. Et même t'appelleront même. Bango moko bazo bengo mama ya ma bota. Ils t'appelleront la femme qui. Bako zela longtemps. Ils attendent. Et puis Bazako changer à vie. Et puis ils changent. Bazo changer à vie. Ils changent leur vie. Quelque chose est en train de se tourner. Et là comment qu'on se voit bien ce matin. On a et ça va se concourir. Et ça ça va bien ce matin. On a bolla munayo. Ovandika kandenge wana. Ovandika kandenge wana. Mais pourquoi?
Parce que lui, il a secoué. Il a secoué. Il a dit, je ne peux pas subir cela. Toi, serpent, tu es venu avec ton venin. Ton venin de la honte. Ton venin de l'échec. Ton venin de la mort. De la maladie. De la confusion. Je refuse de subir. Osoka Bouissanga. Baboya Kaboyete. Venenyon soya soni. Tout venait de pro. Venenyon soya kozanga. Tout venait de manquement. Venenyon soya ba échec cyclique. Yakokwe yu ezonga soya. Tongo ya lelo. Ce matin. Par l'autorité du nom suprême de Jésus. Nabokondia kombo ele ki a yesu. Vene wana elongwana destiné na yo nom de Jésus. Parce que tu refuses. Et ça pour yoboi. Dès que tu es déjà debout. Commence à secouer. Banda kokweisa. Par ton refuge. Nakoboya. Commence à secouer ce serpent. Banda kokweisa nyoko. À refuser. Ozoboya. Subir cela. Konyo kwa mana yako. Secouer. Kweisa. Secouer. Kweisa ye. Tangale eloko wana. Si te chula. Commandez eloko wana. Tese ngo mitindo. Natongo ya lelo. Ce matin. Longwa na nzela. Libère mon chemin. Longwa na nzela. Quitte mon chemin. Zibra daba. Que je ne parlerai plus de toi. Terre yo na tongo ya lelo. Na kunio. Yes. Oh. De kotomboka. Osana responsabilité. Ya ko sekoué. Mama Joyce a ko sekoué le yote. Yes. Papa d'ailleurs a ko sekoué le yote. Yes. Yo moko sekoué. Sekoué seliba wana. Sekoué maladie wana. Sekoué liwa wana. Sekoué soni wana. Sekoué chek wana. Banda koboya. Beta maboko. Refuse de subir. Boya. Refuse de te soumettre. Mata. Refuse. L'onction de refus est dans l'atmosphère. L'onction du refus aux assauts est dans l'atmosphère. Et pas quoi ya koboya ça la mon peuple. Nazo yo kayote. Oh. Refuse ce chômage. Boya kosanga musala wana. Boya. Refuse la lobité. Cette vie-là. Refuse la lobité. Refuse le lot. Boya le lot. Oyebite nini kokoma lobby. Oyebite nini kokoma la 15. Refuse de subir. Boya le lot. Refuse. Boya sikoyo. Alaba sheketelebo. Mabrosala. Mesopai kadagada. Ale machande kelebo. Eso ayata gaba. Maraba shikelebo. Ezuza kaneme. Mamro shalamaya. Eso. Baboya kabombote. Ozoka mwisangai. Oligi ya motote. Namoni lokolo ligi ya mo. Namoni lokolo ligi etikala. Namoni lokolo ligi umela. Boya ya mo. Boya yango, papa koboye la yote, mama koboye la yote. Bayata kapayatebe. Sobrada. Esoso boriye la bayata kapayagaya. Meko shabade gelebelebelebe. Oso zopoto koto bosi kapaya. Mande kelebe keshele mendoro bosi ala ba. Isubrane. Yes. Le man boya yango refuse cette chose. Et loko boya wazambe boyi likolo. Ce que tu refuses sur la terre. Boya maladie wana. Refuse cette boya oppression wana. Refuse cette oppression. Les sokopoko shilabaya. Alobi résistez-le. Telemelake. Résistez. Telemela. Ce que résistez à ko mama yango likolo nayo. Outre cela il va. Boya yango. Refuse de te couper à ma sozo boko shi alaba ya. Yekebo shayeme. Iso brania.
Rappelez-le que ce n'est plus toi qui vivre dans cette cœur, dans cette corps, c'est Jésus qui vivre. Ala makayata kama. Oyo akufa kina place na yo. C'est lui qui est mort. Et subarakata kaya. Akufa ki po kufate, akufa ki po vivre. Il était mort pour quelque chose. Et soborobo shilabayate. Mas soborobo shilabayate. Okayata gabaya. Et sobo shadela mayate. Yes. Eko ni kapala gati. Ela mando sopo koto brada. Oh yes. Elisa moto. Thank you. Esili nanute. Isho badaga ya tegebe debe debe. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Je sens la présence de Dieu très fort. Bosalisi makasi. Na lingio tomo la maboko na yo partout. J'aimerais que tu lèves te. Bosna moto azape mena yo. Oublie celui qui est à gauche ou à droite. Yes. Présence ya molimo santu ezana kati esika ezotambola. La présence du Saint-Esprit ici. Tomola mabuku na bosse na mtu aza pembeni nayo. Élève tes mains, oublie celui qui est à côté de toi. Jesus. Yes. Na lengi kimia partout. Silence partout. Et na se ya kimia oyo nguya molimo santu ezo opéré parmi nous. Sous ce silence, la puissance du Saint-Esprit opère parmi nous. In the name of Jesus. Bimana kombo na Yesu. Tout esprit d'oppression. Molimo nyo samonyo ko. Je te commande. Na pechi. Sors nom de Jésus. Bimana kombo na Yesu. Ba milimo nyo so yambindo. Tous les esprits impurs. Ba milimo nyo so oppression. Tous les esprits d'oppression. Na commande yo. Libère zoto wana na kombo na Yesu masia. Libère ce corps au nom de Jésus-Christ. Libère. Tikaye. Libère. Tikaye. Libère. Tikaye. Au nom de Jésus. Na kom na Yesu. O shabando soprozia la maya. Yes. O mesani na pasi na nzoto. Tu es accoutumé avec cette douleur. Et comme une partie intégrale ya vie na yo. Et comme une moko ya eteni ya nzoto. Et loko Yesu asia longoli. La chose que Christ avait asia fait. Fouti pris. Qu'il avait payé le na prix. Minute oyo. Maintenant, je donne ta délivrance. Na pessimité de Kangola au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Oh yes, ne sois pas distrait. Kobungi sama kanisite. Libéré. Tikaye. Libéré. Tikaye. Libéré zotoana. Tikanzoto. A pessimité nguya, alobi à mon nom vous chassez de mauvais esprits. Na kombo na ngabo ko benga na milimo mabe. Tout esprit satanique. Molimo nyoso ya satana. Derrière eloko ezo salema na vie na yo na zoto na yo. Derrière ce qui se passe. Na paralyser mission na bango. Je paralyse leur mission. À l'instant même au nom de Jésus. Menwa nyoso ezaote. Au nom de Jésus. Ne soyez pas distrait s'il te plaît. Kobungi sama kanisite. Mba Ekosom prozia bada. Adagata gayate gebede. Ozawa na babeti o masasi na seya pongi. On t'avait fusillé au sommeil. Babeti o masasi na seya pongi. On t'avait fusillé sous le sommeil. Et olamuki. Tu es réveillé. Nako banga yonso.
toute tremblante. C'est comme si c'était réalité. Au fond, le mot sur la monique aux anamokilioué. C'est comme si tu vivais cela à bout portant. Masasi wana. C'est mal. Na bêtise en go retou à l'expéditeur. Yo se ma koti dans zoto na yo na déraciné en go à l'instant. Na lobi na déraciné en go à l'instant. Yesu a lobi quand les gens dorment, l'ennemi vient semer les mauvaises semences et ça n'a là. Yo se ma loni na se a pongi na vi na yo na déraciné au nom de Jésus. Ikabo shalia ma shabada. Mazozo broziga pala kato zobrozia. Yonso ya yo eza manipulé. Tout ce qui t'appartient qui est manipulé. Eza la ba relation manipulé. Ça soit de relation manipulée. Rien ne marche. Et loko ezo tambola. Na sambeli na tongo alelo. Je prie ce matin. Parce que Yesu a si a fouti prix yonso. Parce que Christ a payé le prix. Galates 2, verset 20, Alobi, il est mort à notre place. C'est-à-dire, la mort ne nous appartient pas. Il y a Koufa qui n'a place. Il est déjà mort à notre place. N'a déclaré et n'a décrété délivrance na yo le lo au nom de Jésus. Côté à Rehoboth, Sombola m'a beaucoup na yo. C'est des réobords. Dengezo tombola maboko wana nguya molimo mosantu esimba yo kaka place wana. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Reçois cette touche. Yamba touche 1. Yamba touche wana. Reçois cette touche. 2. Yamba touche wana. Reçois là. Yamba touche wana. Reçois cette touche. Yes. Ikapocha aliyamaya. Amen. Na bimisio na prison preso. Prison yoso ya butu. Na bimisio na prison wana boloko wana ya butu. Sors de là. Imakuna. Sors de là. Imakuna. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. J'ai dit sors de là. Na le bibima kuna. Sors de là. Bimakuna. Ika posh kalia mashada. Oh yes. Bimisa bango protocol bimisa. Adagata gaya tege debe debe. Amen. Esozo brosia. Esozo brosika palagatos. Amen. Il est venu. Ayaki. Na lobi sort de là. Libère bangolo au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Shabadabaya. Oh yes. Prison yoso ya butu. Toute prison. Na bimisi au nom de Jésus. Na bimisi au nom de Jésus. Moto ya molimo santo e pala. E pala. Ikabasho brosia la maya. Ne sois pas distrait. Reboto mola maboko dehors. Ce que je vois na no esilite. Il y a une présence. Bozali moko ezali. Parfois yo moko o santaka o talisma me o moni le côté mais en réalité présence c'est wana. Ezo tambola nayo. Présence wana nde e baby sakayonso ya yo. Dengezo yo kamgongo na ngai boy. Na paralysé esprit wana derrière cette présence. O lezo manipulé vi nayo. Na paralysé mission nayo na vi nayo. Na kombo na Yesu Masia. Libère! Tikaye! Libère! Tikaye! Libère! Tikaye! Esho braze gatabaya. Tango bolamu eye na dernière minute ba balusaka je. Yoka force wana ezo balusa je. Ezo balusa makambo na yo. E lakela mi mabena tongo alelo. Na lobi e lakela mi mabena tongo alelo. Na kombo na Yesu. Oza libéré. Tu es libéré. A pesibisonguya. Oyo libéra ki awa na se. Zame pe a libéré likolo. Tombola maboko na partout. Eza na ancien temps. Tombola na balkon. Tombola maboko na yo. Tout pouvoir diabolique satanique. Oyo e batama na sima ya makamu na yo. Caché derrière malgré effort physique aux osala. Peu importe et l'okomogote ezo simba. Et rien ne marche. Nguya wana. Cette puissance n'a paralysé projection na bango. N'a paralysé programmation na bango. Au nom de Jésus. Libère bango bakende. Na kombo na Yesu. Na lobi libéré bango bakende. Na lobi libéré bango bakende. Na lobi libéré bango bakende. Na kombo na Yesu Masia. Isho barakatos. Mazeze kele mendo soprozia. Impose ma boko na yo partout.
impose ta main partout. Vous en avez pas si songolo quelque part. Imposez ma boko na yo partout. Si tu as une douleur ou une maladie, impose ta main. Andekeli amasuza pradia. Agasuza pandekele meshozopro. Toute programmation de l'ennemi. Ma bonne signe sa monguna. Programmation yoso satanique. Toute programmation satanique. Na paralyser mission na bango au nom de Jésus. Et loko yoso va programmer contre yo. Na déclaré ezala sans effet au nom de Jésus. Na le programmation yoso na diprogrammer ango na vie na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Yoka. Bakoko programme yo maladi. Kapo e effecte e loko moko. Swat musala. Na yebi mutuba programme sida. Po ezangonga ya libala. Po libala isale mate. E loko yonso eza programme. Yozo yebate. Mais pour empêcher yon à niveau songolo, na déprogrammé encore par la puissance du Saint-Esprit. Na lobi na déprogrammé encore par la puissance du Saint-Esprit. Et ça déprogrammé par la puissance du Saint-Esprit. Libère! Libère encore! Au nom de Jésus! Comme on a Yesu! Chiboshi kabata yade. Masoko poskalia. En clin d'œil, na moni sous-vêtement ya moi si mon kwawa et disparaît il les loso yebate mais et disparaît ka band ke bungi ezati ke ba yibi ba ke ko salisa ba ke ko utiliser ango mutu yonso paro connaissance ezo concerné na déclaré bisika ba sali cérémonie wana ka ke ya zambe et panza projection na bango na lubika ke ya zambe et panza projection na bango. Nano kisi kake ya molimo mosantu. E baby sa protection na bango. Au nom de Jésus. Libère. Yo moni sous-vêtement e bungi te. Bakeko sali zango. Bakeko sala ceremony. Bisika eloko wana esalami na repete lisusu. Moto ya zambe epela etuba. Etuma na mutu akeina ngo. Na kombo na Yesu Masia. Agabo shadi ya masakato. Maladi nyoso. Tout maladie. Na se ya mugongo yo. Natanga kombo, natanga kombo te. Que je la mentionne ou pas. Na deklare disparisation à l'immédiat. Nalobi disparisation à l'immédiat. Nalobi disparisation à l'immédiat. Au nom de Jésus. Yes. Et ça la gonflement wana. Ça soit ce gonflement. Masse. Cette masse. Kyste. Ce kyste. Na commandé élimoi sans trace. Élimoi sans trace. Na kombo na Yesu Masia. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Projecter maladie. Il faudra qu'un délimonceau. Il faudra projeter maladie. Maladie nini bo projet. Il faudra projeter maladie. Le estomac de Razakaye. Ton projeté son estomac ma cassi. Il faudra qu'un délimonceau. Il faudra projeter maladie. Passons à Sima. Moni. Ah, va projeter maladie. Wana pour empêcher au dengue na lobby. C'est pour empêcher. Comme ça, ma camo est sengelé au sabnet au zoo Moussalaboué. Va produire le malade. Tant aux autres qui sont Moussalé Koufi. C'est la méchanceté. Et ça, ma ligue au tombeau la maboukouna vers la chair. Toute projection de la méchanceté. Et où tu n'as qu'un pour empêcher vie na yo. Pour empêcher ta vie. Dengozo yoka mugongo yo.
au nom puissant de Jésus, na longoli projection one. J'ôte cette projection. Toute méchanceté na déraciné ango. Na lobi na déraciné ango. Na lobi na déraciné ango. Na lobi na déraciné ango. Na déraciné ango. Na bimisi ango. Na kombo na Yesu. Ama shobrozia la mashade. Adayo. Isso gosso coposcalia ba. Agata agata gayate bebe. Isso zo prosica palagatoro. Ande kelia barosha badara. Isso lo kenda gali boso de abi fa kende ni boso. Atiki jina ya komela. Na wende sika teka kala zandu. Ake ko so meloko. Ton projet est malade na jiwana. Depuis voilà les boubou na eza esu su malamute. Abandi ko dektara lo. Ayo. Zabada yo ko tika raite. Ameli win olive. Ameli sedze. Asi foto na ate na li boubou. Ah, dayo. Dayo tika biso asa mwana na biso moko. E pa la biso li bale ko ta rate avansme ko ta rate. Papa mala bango babonga te bango pe bango bonga te. Papa mala bango babala te bango babala poani. Lo kwa ya lo bako bala. Biso pe to biso boma ye. To ko boma ye. To boma ye. To boma ye. To ko boma ye. Télévision. Molimo ya liwa yonso na pameli yango. Molimo ya liwa en tous ses formes na pameli. Na décrété retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tomola mabokone. Et juga bata la maya tegebede. Et zozoprozia la maya. Maladie wana oye zangi solution au meliba kisi yonso. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, n'a déclaré un miracle créatif et salement. N'a déclaré et n'a décrété un miracle créatif et salement. Cancer du sein, n'a déclaré et n'a décrété un miracle créatif. Pota wana na tolo na yo ya mwasi na lobi eli mwa sans trace. Na lobeli ango disparaître au nom de Jésus. Disparaître au nom de Jésus. Mutumoko akomelinga lobi azo umba solo. Quelqu'un qui m'a écrit hier. A partagé na moi sina lobi azana ba odeur. Il a de mauvaises odeurs. Azo comprendre et yaki dengenini et wuti mais ye moko ayoka kayango. Il sent comment il dégage. Nasambeli. Et j'ai prié. Et lokoyon soba bengi. Projection satanique oyo ba fuli na mupepe na déclaré ezonga kaka na mupepe à l'expéditeur ezonga kaka na mupepe à l'expéditeur ezonga kaka na mupepe à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth oza libéré na kombo na Yesu Masia oyeba oyebate. Il y a d'autres qui parce que signe est manifesté. Mais Ezawana, Nassambeli, avant manifestation, Nabomi, il fait Nayango Nanzoto Nayo. Nalobi Nabomi, Yesu Amoni Makambalobi, Moko Nabino Yazo Tien Loboko, Nassani Nangai. Aousanini? A côté Kangai. Voilà, côté Kangai. Amoni Yango avant. Ça dit nani et salamite me amoni. Et salamanante me y amoni à lobi. Il a parlé en avance. Mais au koye bake, ma kamnazo loba et talio bientôt. Alléluia. Et tango koyo kasangwana yeba ke osio kangolami. Parce que ma loba s'est précédé. Alléluia. Natanga ka na yo natanga yangote na déclaré obikisami au kangolami. Obikisami au kangolami. Au nom puissant de Jésus. Vanda na place na yo. Nano esilite koza distraite. Et ne sois pas distrait. Maman, to impose ma boko. Nano esilite koza la distraite.
Ne sois pas distrait car ce n'est pas encore fini. Dancing's my soul, my Savior God to thee. Yes. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Yes. Yes. Zambe na kembo zambe na kuya to sanjola to sanjola zambe na kembo zambe na kuya to sanjola to sanjola Babo Shalamando Soprozia Zambe Nakemboza Benanguya Bolong la Mamoe To Sanjola To Sanjola Mama To Sanjola Zambe Nake Boza menanguya to sanjola to sanjola paralizi wana na pameli yango na kombo na Yesu diminution de sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus se repose. Ayata gata bakaya tolo, egete gete. Amati, egata bakusha. Hallelujah, amati na ni kolo, kuma mana yo ko, yem atiki ke boyera se. Hallelujah. Afuti nyongo na ngai. Aki abawe. Amatina likolo. Kumama na yo. Kumama na yo. Oh, kumama na yo. Yemba kumama na yo nkolo kumama na yo nkolo kumama na yo nkolo yawe kumama na yo nkolo kumama na yo nkolo Colo
mama na yo kolo. Tomo la maboko na yo partout. Élève tes mains de partout. Na décrété par la puissance du Saint-Esprit guérison, intervention divine dans tout aspect de ta vie. Pas seulement guérison du cœur, du corps, mais guérison de l'âme, maladie émotionnelle, maladie à makanisi, souci, n'a déclaré au pikisami au kangolami na komuna ismasia. Yamba kimia au réseau dépassé attendement yabatu. Malgré situation na yamba kimia. Na motema na yo na kombo na Yesu Masia. Ba bengie le prince de paix. Azamo kondi ya kimia. Yamba kimia na motema na yo. Reçois la paix dans ton cœur. Na lobi yamba kimia na motema na yo. Reçois la paix. Na lobi yamba kimia na motema na yo. Reçois la paix. Yamba kimia na motema na yo. Reçois la paix. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Eloko yonso eza na ebandeli. Chaque chose a Ezape nasuka. Qui a un debit a aussi sa fin. Mokolo ya lelo ezana bandeli. Aujourd'hui il y avait son commencement. Mais il va que ezape nasuka. Ça aussi sa fin. Problème yonso ezana ebandeli. Tout problème a un debit. Ezana suka. Et une fin. Mokolo moko eye. Un jour. Mokolo moko pe il faut akende. Et ça doit partir. Lelo mercredi eye na tongo. Mekalamingite. Na minuit, mercredi au Ekei Libela. So lokola na lobeli et loko yon sezo tungisa mutema na yo. Na commande expiration au nom de Jésus. Na lobe na décrété expiration par la puissance du Saint-Esprit. Na décrété expiration au nom de Jésus. Botele msa maman oye ponanga. E loko wana o ezo tungisa mutema na yo. N'a décrété expiration. Et si la lelo. Expiration. Et souka lelo. Bami bali mokoba ya kosuka. Yes. Expiration au nom de Jésus. Souka na yango lelo na kombo na Yesu. Expiration au nom de Jésus. Souka na yango na kombo na Yesu. Ezala na kombo de ngenini. Peu importe son nom. Na kote si expiration par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Problème à maman Oezani. Problème na Oezani. Aouti musika. Malade. Malade Yani. Awachina ma. Boy. Et Salini. Natambola te. Otambola kate. Awa ti boye ti nas. So qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Nani a yena maman. So kyo yena e yaka. Okango lami na kombo na Yesu Masiya. Délivré au nom de Jésus-Christ. Au Kangolami au nom de Jésus. Boyaki ensemble. Hein? Naye naye. Problème na Ezani. Bon, il y a tita la nxanga nga na zalia. Ah. Abimi aken de prière kuna sika zalaki akwei na paralyser na makolo. Paralyser na makolo. Eh. Kisangani kingasani ve kisangani. Kisangani. Kisangani kuna. Eh. So akomi awa dengeni. La tine la qui est bon, voyez un avion. Regarde-moi. Yesu Masia Bikisi. Au Kangolami. Tu es délivré. Na Kombo na Yesu. Ok, Tambola maintenant. Tambola. Pas ses alis sous te. Pas ses alis sous te. Tambola. Tambola, Tambola. Awuti musika. Awuti musika.
Elle vient de loin. So mama, azaki na problème ya makolo. Na hanche, na luketo. Est-ce que kobete la Yesu maboko makasi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mama, viens ici. Viens, viens encore. Oyebi maman wana. Oyebi azanani. Wana leki nanga. Ya solo. Bete la Yesu maboko makasi. Acclamer Jésus. Siko ozo yo kapasi li suste. Hein? Oyoyo kate. Est-ce que tu kokiko célébrer le roi de gloire? Célébrons Jésus. Célébrons le roi de gloire. Okango la mi azota la nauti wa pitangwa la mukivyesi. Yesu Masia pikisi au nom de Jésus. Jésus-Christ. Okango la mi libela na libela. Tu es délivré pour toujours. Okango la mi. Bete la Yesu maboko makasi. Dimi ke yepe akangola mesoke ondimi ganga amen ya zoto mune. Bete la Yesu maboko makasi. Bete la Yesu masia maboko. Milolo 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 milolo. Nazoyoka maboko na yote. Alala ki azolo tabayibi esu vetmon. Etango alamu ki amoni ki ezala ki. Metango alingi ya lata ngo. Alubi le Saint-Esprit a soufflé ko lata yangote. E a comprendre nenge parole o ebimi. Zambe abi ki se naksido mon kolenge komelaye. Voilà pourquoi elle rend grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi de roi? Notre maman Azo Pesaye Soumassia, merci pour la guérison instantanée. Alubi ça fait 2 semaines. Na douleur na niveau ya lipeka na yeti na loboko mobimba ya droite. Alobi au fur et à mesure service ezo continuer, douleur wana ezo disparaître et ndenga za ba mouvement o abane ko sala te akoki ko sala yango. Voilà pourquoi elle dit merci au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi de roi? Beta bete la Yesu maboko. Bete la Yesu maboko. In Jesus name. Bien-aimé, Yesu aza awa. Na yo kamente. Mama na biso, aye kope sa, Yesu merci. Alobi, ça fait 4 ans. Azo ka douleur na panzi. Ameli bakis. A salsi be examen, malade mona na kate. Bien-aimé, Yesu aza awa. So ki tozo lo bake Yesu aza awa, to sa la, te a traité. Tozo sala ba jete to komedete. Tozo mona makambo zo salama. Alléluia. Alobi lelo aya ki pe na douleur. Afanda ki bisika afanda ki wana. Tango papa atelemi na office prophétique. Abandi ko sakola. Lobali sakoli. Lobali sakoli. Tango papa abandi ko sakola. Douleur o ebeti 4 ans. Onction environnemental et quitté li mama. Maladie est disparaître, douleur est disparaître. Yango lobe koko bombate, aye ko pesa Yesu merci. Bete la Yesu masia maboko makasi. Bete la Yesu maboko makasi. Merci. Continue ko bete la Yesu maboko makasi. La ki sa voisin de ba bete la Yesu maboko makasi. In Jesus name. Notre sœur a écopé sans jamais merci. Alobi azalaki na ba douleur na côte na côté droite. Alobi tango papa zo déclarer douleur wana et disparaître. Yango ya kopé sans jamais merci. Tobete lesu maboko makasi. Levons-nous s'il vous plaît, acclamons très fort pour Jésus.
Nous avons vu sa main puissante parmi nous. Nous avons vu des signes évidents de sa parole, rendons-lui des actions de grâce. Papa, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, la puissance qui accompagnait ta parole. Merci pour ton onction. Merci Père pour ta gloire. Merci Père pour le revêtement de la puissance de dire non aux assauts de l'ennemi. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Reçois tout l'honneur. Merci Père pour ton serviteur. Merci pour la force renouvelée. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu rentres, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, ta guérison est établie au nom de Jésus. Ta liberté est établie au nom de Jésus. Ndenge ozoye banakoloba, non. À chaque fois, le diable sera secoué contre toi au nom de Jésus. Il sera secoué par tes paroles au nom de Jésus. La grâce de dire non aux assauts de l'ennemi te soit revêtue au nom de Jésus. Kokende na yo eza béni. Zonga na kimia. Ba moyen de transport nyo soza béni. Banana yo baza béni. Ndaku na yo eza béni. Nyo soma boko na yo eko simba eza béni. Ozo zonga awa na ngolu ya nzambe vendredi na ba témoignage. Ozo zonga awa vendredi na ngolu ya nzambe na ba témoignage. Ko zonga na yo eza béni. Zonga pe tobola bisika nyons obstacle ezali. Tobola bisika nyons obstacle ezali. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce. Na pokwa kour ezali. La guérison.